Bonjour à tous, bienvenue dans ce 33e épisode de Stellaris avec notre civilisation robotique. Alors, répondons tout de suite à la grande question, sommes-nous toujours dans le top 3? Enfin, top 3 j'entends sans compter les puissances, les empires déchus, hein. C'est complètement pas à notre portée. Ah, d'ailleurs, question bête, mais ils sont où? Ils sont là. Et ce sont quoi? Si chic. Ok. Gardien sacré. Oui, mais ils sont où les mondes sacrés? Ah, est-ce que mon monde Gaïa, je ne pense pas, ils ont pas de petits logos monde sacré, non. Arctique. Après, ce qu'on verrait, vu qu'on est une civilisation qui rejette tout contact avec ces êtres étranges qui se prétendent les gardiens de la galaxie. Ah, les gardiens de la galaxie, très, très film ça. Très référence cinématographique. Bon, reprenons, on va pas y passer 3 jours. Alors, toi t'es parti à côté. Hop hop hop. Technological acquisition successful. Alors, nouvelle tech. Ah. Complexe scientifique. On peut toujours faire ça vite fait, ça va nous occuper. Alors, là. Ah oui, alors je voulais faire un tour de mes stations. Où est-ce que j'ai de la place? Alors logiquement, c'est là. Je n'ai complètement pas de place. Il me faut quelque chose qui accroisse ma capacité navale. Capacité navale. Un module ancrage. Ils sont où les ancrages? Hangar. Il faut un ancrage, ça va ça. Non. Et je comprends pas. Faut qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'ancrage. J'ai déjà un ancrage. Ok, où est-ce que j'ai un ancrage? Je vois pas où j'ai un ancrage en fait, il y a un ancrage. Ah, il faut que j'ai un ancrage. Ah oui, bah, on va faire des ancrages et des... Ah oui, alors voilà. On se demandait ce qu'on allait bien pouvoir foutre de ces stations là. Ah, est-ce qu'on a besoin d'autant d'énergie ici? Alors ça, clairement, on s'en tape. On va les améliorer pour déverrouiller ces deux là. Alors on améliore ça, on améliore ça. Oui, mais on va faire des ancrages à la place par ici. Faire un ancrage comme ça, à la place de ça on fera autre chose ici. Pareil, on va améliorer. Alors, on va les faire dans l'ordre, comme ça. Ici, on va l'améliorer. Toi, t'es où? Toi, ce sera vraiment une base militaire, ici. Donc, chantier, on ferme. Les bases stellaires. Donc toi c'est bon, c'est lancé. Toi c'est bon, c'est lancé. Toi. J'ai un ancrage. Est-ce qu'on peut en faire un deuxième? On va en faire un deuxième. On va en faire un deuxième.
Pareil ici. Toi, t'es où? Tac, tac, tac. Par contre, ici, ce serait bien d'avoir un chantier spatial, en fait. Que tu sois un chantier spatial. Donc, tu vas devenir un chantier spatial, plutôt. Ici, oui. Du coup, on va améliorer. Pareil, améliorer. Comme ça, quand on se sera débarrassé de ça, ces deux systèmes-là, on va les reconvertir. Alors, tout on t'améliore, mais c'est clairement pas pour de la défense. La preuve, ça, on va chanter, on va faire un ancrage aussi. Générateur, ordinateur sub. Production produite. On va augmenter la production. Ça va me prendre longtemps, apparemment, par contre. Alors ici par contre complètement pas, faut pas déconner non plus les gars. Et ici on fera ça. Alors deux techs améliorés, commandement de flotte, là c'est à 150. On va faire ça, parce que je sais pas quoi faire d'autre. Permet les titans, les canons ioniques. 11 000, 36 000, 58 000. Hop, on va faire ça. Alors ici. On a dit on laisse comme ça. C'est pas mal. On va toujours les améliorer ces deux-là. On verra à y faire ce qu'on fera, y fera dessus plus tard. Pourquoi j'ai fait. Ah oui, je sais pourquoi. Ça va être. Mais c'est pareil, on verra plus tard comment on va l'aménager. Alors ici, donc toi, construis une station de recherche. Toi là-haut, tu vas construire toujours ça, c'est toujours en cours. J'ai largement de quoi faire, donc on continue sur les avant-postes. Et on est reparti. Et donc, est-ce que je lance les mises? Ah oui, si, elle est là. Construction complete. Allez, on va lancer la construction de cette flotte qui risque de prendre un peu de temps. Par contre, j'espère que j'ai prévu ce qu'il fallait ici. Oui, c'est bon. D'ailleurs, tu devrais être en cours d'amélioration, toi. Alors, est-ce que les autres sont des commandants toutes les deux? Oui, donc toi, on va t'en donner un aussi. Porter les armes des vaisseaux. Voilà. Voilà, voilà. C'est déjà prêt. Là, on enchaîne alors. Ça y est, t'es arrivé toi. Toi, c'est pas fini. Allez, je voulais aller voir ça. Alors, qu'est-ce que nous vaut le... Ah non, il faut que sur des larges. Donc, sur les cuirassés, par exemple. Dégâts 360 à 800. Ah oui. Construction complete. Dommage au bouclier.
carrément que ça en fait, hein. Les moyens, 32, 62. Ah non, 39. 36. Non, par contre, ça c'est niveau 1, donc ça peut avoir le coup de booster. De booster pour améliorer tout ça. Ouais. Toi, t'as fini. Tu vas te déplacer ici. Toi, tu as fini. Tu vas venir ici. Ah, tu peux pas construire. Par contre, toi, du coup, fouiller un site. Voilà. Alors, en fait, on va gagner du temps. Toi. Tu vas juste venir te déplacer ici. Voilà, parce que ça sert à rien de perdre du temps. Voilà. On va essayer de boucler ça rapidement. En plus, on a deux d'alliages ici à prendre. C'est une très bonne chose. Allez. Pourquoi j'ai une station ici? Parce que j'ai des mondes en fait. Oui, d'accord. C'est logique, du coup. Ah, par contre, c'est pareil, mon armée là. Il y a de 32 à 465. Depuis le temps, j'ai pas mieux. Si. J'ai sûrement beaucoup mieux. On va recruter. 4 à 9. Construction complete. Ouais, mais c'est pareil, je suis pas en train de fabriquer des super soldats là, quelque part. Construction complete. Non, bon, on va attendre et on va fabriquer des super soldats. Alors, t'as plus rien à faire. Construire station minière ici. T'as plus rien à faire. Il vient là. Puisque pour le moment, tu ne peux pas construire la station. Tant que t'arrives, peut-être que tu pourras la construire. Tu veux pas me donner d'autres vaisseaux, sérieux, non? Allez. C'est pourtant sympa de ta part. Je peux pas te... Eh, attends, bouge pas. Peut-être qu'en faisant ça, Légion Nexus, si je te dis, ça tu me le pousses à 30, ça à 20. Et ça 5, ah non, 15 et 10, pardon, 16 et 10. Ah, t'es d'accord? On va voir s'il me le... Il me le fait. Alors, l'équipe artillerie dépêchée sur Xolton 6A a dégagé les vestiges d'un modeste temple délicatement ciselé. Dans un matériau organique alien, son extérieur était autrefois peint. Mais si ses couleurs ont viré un gris terne, une prêtresse holographique encore entièrement opérationnelle continue de présider sur les lieux. Lorsque le temple était en fonction, elle recevait les confessions des pénitents de passage, leur offrant la guérison, le réconfort et un abri en se reprenant autrement inhospitalier de l'univers. Toutefois, les sièges mécaniques utilisés lors de ces confessions ressemblaient à s'y méprendre des instruments de torture. Conduisent les archéologues, à penser que le temple recevait plus de secrets que ce qu'on pourrait croire au premier abord. D'accord. En gros, ils torturaient les gens pour avoir des secrets. Vous êtes sûr que c'était un temple, les gars? Moi, j'appelle pas ça un temple, trop. C'est peut-être que mon point de vue, mais voilà, quoi. Mais non, toi, je t'ai dit base centrale. Elior. Ah mais non, j'ai pas remodifié. Donc go ici. Si
est un peu con, parce que du coup tous les vaisseaux sont en train d'arriver par ici. Alors toi tu vas pouvoir construire ici normalement. Voilà. Ah vas-y, t'as fait vite, toi t'es presque arrivé. Bah tu vas attendre. Alors, caché sous les dalles du plancher, dans la sacristie, les archéologues ont découvert une étrange crypte sur les murs desquels des petits globes digitaux bleus sont alignés en un nombre considérable rangé. Leur circuit brille dans le noir. Chaque bloc contient le souvenir d'une confession et peut être branché à une machine énigmatique au centre de la pièce pour révéler son contenu. Tout pénitent confessant ses péchés était béni de l'oubli, ses souvenirs étant extraits par les sièges confessionnels et stockés dans ces globes digitaux. Ça pourrait être bien pratique. Hein. Allez. Est-ce que je me pose une question, j'ai pas conçu ma race en me posant cette question. Est-ce qu'on ressent la douleur? Est-ce que nous sommes une race qui peut souffrir? Ça vaut le coup de poser la question quand même, non? Non, je dis ça comme ça. Peut-on souffrir? Est-ce qu'on a des émotions? Déjà, c'est pas sûr, alors. De là à souffrir. Je suis pas persuadé quand même, faut pas déconner, il y a plus une chose à faire que de s'occuper de ce que pensent les gens. Alors comment ça se passe ici? Ah bah déjà il y a des gens qui commencent à râler. Alors ça me plaît pas. Logement plus 10. Construction complete. On demande de deux logements, on demande des services. Nanana. Ah, on peut toujours lancer ça. Construction complete. Voilà. Alors ici, moins 1 d'habitation, 3 chômeurs. Comment ça se passe les gaz à plus 11? Ok. On pourrait construire une nouvelle station. Sauf que ça demande pas de gars, hein, si je me trompe pas. Oui, voilà. Produit 20, entretien 25 à 5. Alors, nouvel artefact. Voyons, on verra ça après. Voilà. Poste de sentinelle. Ouais, ça peut être utile de faire ça, parce que ça commence déjà à... Et plus 2, mais toujours pas de logement par contre. Hein. On sera à moins 1, moins 1. On peut toujours faire ça. Voilà. Pour ici. Alors, le péché n'a rien d'original, les globes de mémoire ne contiennent que des récits innombrables, ennuyeuses petites transgressions, affinités, coutumes, sacrifices, sacrilèges, polissonneries, des antennes trop ornées, l'animal de compagnie du voisin dévoré. Oui, normal quoi. Des histoires d'enfants ou d'épouses, seuls les faits d'une pénitente ressortent de cette longue liste, ceux de Lolo prêtresse elle-même. Il s'avère que celle-ci est la représentation virtuelle de la fondatrice de cette église. Saharia l'illuminée, pardon. Elle paraît avoir soufflé de nombreuses pertes de mémoire et était hantée par la certitude qu'elle avait commis quelques actes odieux par le passé. La petite prêtresse molluscoïde extraya et stocka ainsi plus d'une centaine de ses propres confessions afin de tenter de couvrir ce qu'elle avait pu commettre. D'accord. En fait, elle est à l'origine de l'extinction d'un million d'espèces. C'est une des pires génocidaires de l'histoire de la galaxie. Par ça, tout va bien. Tout va bien. Technological acquisition successful. Alors, nouvelle recherche. Ni de commandement de flotte encore. Et il y a un moment où j'arrête d'améliorer mon commandement de flotte. Alors, on va construire ça. 72 mois.
124 mois. Ouais, d'accord. Bon. Hop. Eh ben écoutez, on va se garder ça pour demain, pour ce nouvel épisode. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain pour, du coup, la fin de la fouille archéologique sur ce petit monde. Allez, sur ce, bonne journée à tous et à demain. Salut.